Bien-aimés, ce soir, je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je ne te salue pas dans le nom d'un roi, de cette terre, de cette planète, non. Mais je te salue dans le nom de Jésus, le roi des rois, le roi de gloire. Le roi de gloire. Alléluia. Oh, lui qui s'est donné sur la croix pour toi et moi. Lui qui a payé le prix, un prix élevé. Oh, le prix suprême pour que tu aies la vie, pour que j'aie la vie. Sois béni chez toi au nom puissant de Jésus. Sois dans la joie parce que tu es enfant de Dieu. Alléluia. Tu n'es pas seul, tu as un ami fidèle. Un ami fidèle qui ne déçoit pas, qui n'abandonne pas. Il est fidèle. Alléluia. Place ta confiance en ce Dieu. Alléluia. Place ta confiance au Dieu vivant, au Dieu d'Israël. Place ta confiance en ce Dieu. Alléluia. Il ne déçoit pas. Ton Dieu que tu sers, il est vivant. Alléluia. Que le Saint-Esprit t'apporte la consolation. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. C'est une joie de Dieu de se retrouver, bien-aimés. Donc, hier, nous avons vu le 12e épisode sur le film de l'Arche. Aujourd'hui, nous continuons avec le 13e épisode. Alléluia. Donc, tu écris 13e épisode. 13e épisode. Épisode 13. Épisode 13. J'espère que vous avez partagé, hein? Ceux qui sont avec moi ici, suivez mon regard. Alléluia, que Dieu vous bénisse pour ce partage. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Pour savoir si quelqu'un partage, c'est tellement simple. Tu vas sur la page de la personne. Tu verras si la personne partage ou pas. Alléluia, c'est tellement simple. Alléluia. Si je prends un nom ici, je prends Yaya Masamba. Si elle prend Yaya Masamba, pour savoir si elle a partagé, si je vais directement sur sa page-là, je saurai si elle a partagé ou pas. Vous voyez, c'est tellement simple de savoir si on partage. Hein? Ah, donc, vraiment, que Dieu vous bénisse. Vous qui avez partagé, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu délie une grâce. Hein? Qui descende directement dans ta direction, dans ta maison, au nom puissant de Jésus. 13e épisode, alléluia, du film sur l'Arche. Toi qui n'as pas suivi les épisodes passés, il faut aller encore, il faut aller en arrière pour essayer de voir les autres films hein, de l'Arche qui sont passés. Alléluia. 1, 2, 3, 4, 5. C'est bien de revenir, comment on appelle ça, sur les épisodes. Ça fait du bien. Alléluia. Vous pouvez aller sur la page de l'église El Shaddai, sur la page de Papa Adama. Vous pouvez aller sur la page de l'évangéliste Lydie Nyamien. Vous allez voir les épisodes passés. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Et ce soir, le thème de ce soir, c'est saisir l'occasion qui passe. Alléluia. Alléluia. Saisir, tu vas écrire le thème de ce soir, saisir l'occasion qui passe. Alléluia. Il faut saisir l'occasion qui passe. L'occasion que Dieu te donne, profite. Dieu te donne d'être en couple, profite. Dieu te donne d'être avec une personne, profite de ce temps qui passe. Alléluia. Soyez bénis, pendant que tu écris le thème, que Dieu te bénisse. Saisis l'occasion qui passe. Alléluia. Donc, hier, nous avons vu un huit d'amour dont je vous ai dit, chacun de nous, bon, pour ceux qui ne sont pas encore mariés, Dieu va vous visiter. Alléluia. Alléluia. Hein? Toi qui n'as pas encore eu la personne hein, que tu attends, Dieu va envoyer au temps convenable. Alléluia. Que Dieu se souvienne de toi, que Dieu accélère pour ceux qui sont déjà prêts. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas prêts, la Bible dit n'est pas réveillé l'amour pendant qu'il dort. Donc, si l'amour est en train de dormir, que ce n'est pas encore le temps, il ne faut pas le réveiller. Alléluia. Maintenant, si c'est le temps que Dieu t'envoie la personne. Maintenant, toi, tu as déjà trouvé quelqu'un que Dieu te donne vraiment de te disposer, d'apprécier la personne qui est à côté de toi. Donc, Dieu nous donne un temps à chacun de nous.
Donc, pendant qu'on est ensemble, on doit profiter du temps, de l'occasion que Dieu nous donne de passer ensemble. Alléluia. Parce que si tu ne profites pas maintenant, si tu ne saisis pas cette occasion, si tu ne mets pas ta force, tu ne mets pas ton énergie, tu ne mets pas ton amour, tu ne te donnes pas à 100%, bien-aimé, tu risques d'échouer. Alors que quand on va finir, chacun de nous va rendre compte à Dieu. Alléluia. Comment tu as été auprès de la personne? Comment tu t'es investi? Comment tu t'es donné pour que la personne devienne meilleure? Qu'est-ce que tu as apporté dans la vie de l'autre? Alléluia. C'est parce que c'est ça l'amour. Quand tu viens dans la vie d'une personne, tu ne viens pas pour qu'on t'aime. Parce qu'il y a des gens, ils veulent quitter soit les familles, la famille ou bien quitter là où ils sont pour venir trouver quelqu'un. Oui, j'allais trouver quelqu'un qui va m'aimer. Trouver. Non, non, non. Mais toi-même, quand tu viens dans la vie d'une personne, tu viens pour apporter ce que tu as. Tu viens pour améliorer la vie de la personne. Tu viens pour apporter un plus. Alléluia. Donc, si tu as ça dans l'esprit, Dieu va t'aider. Amen. Donc, Dieu nous donne d'être avec une personne. Donc, nous bénissons le Seigneur parce qu'il nous fait la grâce. Donc, pendant que la personne est là, parlons-nous avec courtoisie, parlons-nous avec beaucoup de respect, hein, avec beaucoup d'attention. Travaillons à ça. Si tu lançais les paroles ça et là, il faut te ressaisir. Tu dois parler maintenant à ton conjoint, à ta conjointe, avec respect. Alléluia. Avec beaucoup d'amour, hein, avec beaucoup de tendresse. Alléluia. Tu laisses la personne qui est en face de toi, à côté de toi, s'exprimer. Sans interrompre la personne. Tu laisses la personne s'exprimer, dire, parler. Et puis après, toi, tu ajoutes quelque chose. Hein? Amen. Amen. Donc, nous voyons que dans le jardin d'Éden, depuis la création, Genèse le chapitre 2, verset 18, la Bible m'a dit quoi? Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, c'est ce que Dieu a dit depuis la création. Qui n'est pas bon. Il a vu que l'homme était là, il y avait les animaux. Puisque nous parlons du film de l'arche, les animaux sont rentrés dans l'arche aussi. Mais à la création, déjà, Dieu a vu que ce n'était pas bon que l'homme soit seul. Hein? Il était déséquilibré. Il y avait un vide, il y avait un manque, malgré qu'il était entouré de tous les animaux. Maintenant, Dieu a vu ce besoin-là. Il a envoyé, il a fait dormir, il a endormi l'homme, hein? Et il a fait sa chirurgie. En enlevant la côte de l'homme pour créer la femme. Maintenant, quand il a créé la femme, et puis la femme, il a amené la femme vers l'homme, il n'a pas forcé l'homme. Non. Il ne l'a pas obligé. Dieu ne nous oblige pas pour dire forcément, prends la personne là. Non, Dieu là, ce n'est pas un dictateur, ce n'est pas un gourou. Si tu ne prends pas la personne là, non, 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 non. Dieu ne va pas te mettre un pistolet, hein, un revolver pour dire, si tu ne prends pas, je tire sur toi. Non, 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 non. Il n'y a pas de couteau derrière toi pour dire que non, 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 non. Non. Vous voyez, notre Dieu là, il nous laisse le choix. Alléluia. C'est un Dieu qui est tellement bon. Mais on regarde quelqu'un, il dit, il se tient à la porte, il frappe. Si tu ouvres, il rentre. Hein? Tu vois, c'est qu'il attend. Il prend le temps, il attend. Le jour que tu décides d'ouvrir, c'est comme ça qu'il rentre, qu'il vient souper avec toi. Vous voyez comment ce Dieu-là, il nous laisse le temps, hein, il est patient. Donc, il nous donne aussi vraiment à chacun de nous de prendre une décision. Donc, au verset 22 de Genèse 2, l'Éternel forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Donc, la côte qu'il a enlevée de l'homme, il a créé la femme. Et puis le Dieu, il a amené la femme vers l'homme. Donc, ça veut dire que les rencontres que Dieu permet, c'est divin. Amen. Dieu permet que quelqu'un, il envoie quelqu'un vers toi. Ça veut dire qu'il n'y a pas de hasard pour nous, les enfants de Dieu. Il n'y a pas de hasard. Amen. Donc, il envoie la personne. Maintenant, quand il a vu la femme, alléluia, c'est lui-même maintenant. Alléluia. Donc là, ce n'est plus Dieu, hein. C'est lui-même maintenant, au verset 23, il dit quoi? Et l'homme dit, voici. Alléluia. Ce n'est pas Dieu hein, qui dit que, hé, hey, mon petit, voici quelqu'un qui t'envoie un nom. Hein. C'est lui-même, il dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Donc lui-même, il est conscient que la femme a été prise de lui. Alléluia, dis Alléluia là-bas, dis Amen. Il est conscient. Oui, donc c'est lui-même qui fait la déclaration.
Donc cette fois-ci, il sent que vraiment, cette image qui arrive là, oui, c'est ce qu'il attendait. C'est ce qu'il attendait. Alléluia. Donc, il s'exclame. Voilà pourquoi je vous ai dit, déliez vos langues, devenez des poètes. Alléluia, devenez des poètes. Les papas, devenez des poètes. Il faut parler à ton épouse. Tu es charmante, j'aime ton sourire, j'aime ta beauté, tu es belle. Tu es belle, alléluia. Oui, même si tu as un gros nez, c'est le gros nez là que la personne aime. Alléluia, alléluia. Vous voyez, nos soeurs qui actuellement, elles sont en train de grossir les fesses là. C'est parce qu'elles ont vu des silhouettes, il y a des femmes, elles ont de grosses fesses, mais elles ont honte. Moi, j'ai rencontré des femmes, elles ont envie de diminuer leurs fesses là. Ma chère, faut pas diminuer tes fesses, c'est ce que Dieu t'a donné là. Il faut garder, il faut apprécier. Parce qu'à cause des grosses fesses, nos soeurs sont en train de se tuer actuellement. Elles sont en train de s'injecter. Demain, on ne sait pas les conséquences, ce que ça va créer. Donc toi, Dieu t'a donné naturellement là. Il faut bénir Dieu. Vous voyez, il y a des hommes là, ils aiment ça. Quand ils voient la silhouette venir, dès que tu le dépasses, ils tournent le regard pour voir. Hey! Hein? Il est en train de conduire, hein? Il est en train de conduire. Hein? Mais il tourne sa tête pour regarder. Hein? Il y a d'autres hommes qui sont en train de marcher, il va cogner un caillou. Tu vois, à cause de ce qu'il vient de voir. Alléluia. Donc, ne soyons pas complexés. Ta forme là, bénis Dieu pour ça. Alléluia. Alléluia. Si tu as des gros mollets, c'est les mollets là même là. Qui attire le monsieur. Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Donc, l'homme s'est exclamé. Il était content. Amen. Il était content parce que cette fois-ci, il voit que ce que Dieu vient de faire là, c'est formidable. Oh, verset 24, il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Alléluia. Maintenant, quand on est ensemble, hein, vous voyez, il y a des mélanges quand on fait là, on n'arrive plus à dissocier. Hein. Chez nous en Côte d'Ivoire, on parle du foutu banane. On le mélange avec le manioc, hein, la banane plantain et puis le manioc. Quand on pile, on met ensemble là, après là. Au moment de manger, tu ne pourras pas séparer pour dire que voici la banane, voici le manioc. Alléluia. Donc Dieu dit, les deux sont devenus maintenant une seule chair. Maintenant, une seule chair. Quand toi-même tu regardes ton corps là, il y a des fois, il y a des petits trucs. Même quand tu as petit panari, hein, tu ne dors pas. Hein, le doigt là reste, hein, c'est suspendu en haut pendant que tu dors. Hein. Pourtant, tout ton corps entier est là, hein, mais le petit doigt là, tu souffres. Tu as un petit bouton qui vient dans l'oreille. Ça te fait mal, tu souffres comme ça. Tu as mal à la dent. Ouh, 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 tu cries. Donc, de la manière ton corps, là, tu ne veux même pas que quelque chose arrive dessus, là. C'est comme ça. Hein? La personne, ta moitié, là, c'est comme ça où vous devez être. De la manière, tu ne veux pas que quelque chose arrive, là. Donc, on doit se protéger, on doit s'aimer les uns les autres. Amen. Amen. Alléluia. Donc, ça veut dire que saisis cette occasion pour aimer l'autre, pour porter l'autre, pour supporter l'autre. Parce que quand on parle du temps qui passe, le temps que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, tu n'as pas le revivre demain. Alléluia. Tu n'as pas le revivre demain. Alléluia. À cause de quoi? Parce que tu vas vieillir. Oui, tu n'as pas à demeurer à l'âge que tu as aujourd'hui. Si tu as 20 ans, tu penses que dans 10 ans, tu auras encore 20 ans? Non. Et puis, le temps d'être ensemble, que Dieu vous donne de passer ensemble, vous n'allez pas avoir 100 ans encore. Hein? Vous n'allez pas avoir 100 ans. Même si on dit le mariage a duré là, vous n'avez pas fait 100 ans de mariage. Je n'ai pas encore vu des gens qui ont célébré 150 ans de mariage. Donc, pour dire que le temps là n'est pas long, n'est pas assez. Vous voyez? Donc, il faut saisir l'occasion qui passe. Alléluia. Pendant qu'on est ensemble, il faut profiter de tout moment. Au lieu de faire des querelles inutiles, il faut profiter de chaque instant. Alléluia. Il faut s'investir, se donner. Parce que le temps est en train de passer rapidement. Le temps passe. Tu vas voir, tu as vieilli, des choses que tu pouvais faire hier, tu ne pourras plus le faire. Tu ne pourras plus. Donc c'est maintenant ton énergie là. Il faut te donner pour la personne qui est là. Quand tu vas quitter sur cette terre, qu'est-ce que tu vas laisser comme trace? Qu'est-ce qu'on dira de toi, le conjoint bien la conjointe? On dit, hein? Non, le monsieur a aimé sa femme. Non, il a aimé sa femme. Il a démontré ce qu'on sait que l'amour. Il a aimé, il a aimé, il a vraiment aimé. Il a aimé son épouse. On dit, ah, non, la femme là, elle est morte. Est-ce que le monsieur la pourra supporter même? Il pourra supporter le vide là? Elle a aimé son mari. Elle le portait, elle le couvrait. Non, elle le protégeait, on sentait ça même. Non, tu n'es pas venu dire quelque chose de son mari et puis elle va te laisser?
Non, elle protège son mari. Elle aime son mari. Quand tu vois dans son regard même, tu sens que tous les jouets dévorent son mari. Alléluia. Il faut qu'on sente ça. C'est qu'on ne doit pas perdre de vue. Nous sommes entourés d'une multitude de témoins. Donc, les gens qui sont autour de nous là, quand vous aimez là, on sait. Hein? Si tu as oublié, il te dit ça, il te rappelle. Mais, parce qu'il y a des gens qui oublient. Moi, je sais pas. Hein? Nous sommes entourés. Donc, je vous dis, si ton mari et toi vous aimez là, si vous êtes des complices, on sait ça. On le sait automatiquement. On le sait. On le sait. Donc, quand on rentre dans la maison, on rentre dans votre maison là. S'il y a le feu là-bas, on le sait. Oui. Si l'autre ne peut pas s'exprimer là, on le sait. Je vous ai parlé hier de lorgner là. Hein? La personne prend la parole et puis on lorgne du haut en bas, on fait son tour, on lorgne là. Tout ça, on sait. Tu penses que les gens ne t'ont pas vu? Quand on va, hein, les gens vont te rendre visite. Ça, ils te disent, quand les gens vont vous rendre visite, vous êtes en couple là. Ou bien vous êtes des fiancés, vous cheminez ensemble. Quand les gens sont en votre présence là, tous les petits gestes là, ils font comme s'ils ne regardent pas, ils regardent ailleurs là. Mais ils regardent! Dans le coin de l'œil, ils regardent! Si vous vous aimez vraiment, ça se dégage. Alors que Dieu, quand il a mis les deux ensemble là, la Bible dit quoi? Il a créé l'homme au sixième jour. Vous voyez? Au sixième jour de la création. Et puis, juste après ça, il y a eu le repos. Vous voyez, le septième jour, lui, Dieu se repose. Donc, c'est-à-dire qu'il crée l'homme et puis en même temps, il crée le repos. Donc, c'est-à-dire qu'il nous met dans l'atmosphère du repos, une atmosphère paisible. Il ne nous met pas dans une zone de turbulence, non. Donc, l'atmosphère est paisible. C'est dans cette atmosphère que Dieu nous a placés. Donc, c'est ce qu'on doit, on doit enregistrer dans notre esprit. Alléluia. Donc, quand il prend Noé avec son épouse, avec ses fils, avec les belles filles pour les mettre dans l'arche. Il dit quoi? C'est pour les épargner de la mort, du déluge qui les a mis là-bas. Donc, il les met en sécurité pour ne pas que la mort les atteigne. Vous comprenez? Donc, Dieu, il ne nous met pas ensemble pour nous tuer. Il ne nous met pas ensemble pour nous faire souffrir. Non. Mais il nous met ensemble pour le repos, pour la joie, pour la paix. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de paix. Si Christ vit en nous là, alléluia. Si Christ vit réellement en nous là, tu ne peux pas faire du mal à une personne qui est à côté de toi. Sachant que vous formez la même personne. Oui. Vous êtes la même personne. Donc tu ne peux pas faire du mal quand tu as fait. Donc, est-ce que toi tu peux prendre une lame et puis tu regardes ton corps là. Et puis tu prends la lame là. Du haut en bas, tu commences à tracer sur toi. Tu peux le faire. Tu vas non? Toi-même tu es en train de créer. Et toi-même, et ce que ça fait. Tu n'arrives pas à le faire. Donc si tu n'arrives pas à le faire, la personne que Dieu a déposée à côté de toi là, tu auras des comptes à rendre à Dieu. Ne pense pas que tu es là, tu te balades comme ça, je m'en fous, je fais ce que je veux. Non, si tu vois que la méchanceté est en train de prendre ton cœur là, et que tu deviens dur, tu deviens méchant, femme comme garçon, il faut repartir à la source. La source, ton Dieu là, il est rempli d'amour. Dieu peut restaurer ton cœur pour que l'amour vienne et que l'amour prenne le dessus. Alléluia. Dieu ne met pas quelqu'un à côté de toi pour que tu puisses tuer la personne à petit feu. Alléluia. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide à comprendre cela. Alléluia. Si la parole te fait du bien, il faut dire amen, amen. 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 Donc, saisissons l'opportunité que Dieu nous donne parce que le temps est en train de passer. Ce temps-là, tu ne vas plus l'avoir. Hein? Actuellement, là, les gens, ce n'est pas tout le monde qui meurt forcément à 80 ans ou bien chose. Hein? Hein, on peut être ensemble et puis, oui, on dit par accident, tel est parti, l'autre est parti. Non, ce n'est pas après, j'avais voulu faire, j'avais... Non, 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 c'est maintenant, chaque jour, là. Fais comme si, quand tu finis pour aujourd'hui, là même, là, il n'y aura pas demain. Donc, donnons-nous à fond. Alléluia. Si tu pries, le Seigneur va t'aider à réussir. Alléluia. Donc, dans l'arche, Noé et sa famille devaient vivre cette paisibilité. C'est ça, non? L'atmosphère paisible. Oui, on peut le dire. Donc, Dieu les a épargnés pour que ces gens-là soient dans la paix, dans le calme, dans le repos. Amen. Amen. Amen.
Donc, vous voyez, la provision qui les a accompagnés, parce que Dieu avait, Jésus avait dit dans un épisode précédent où il avait, Dieu lui avait dit de prendre la provision, tout et tout. Donc, maintenant, vous êtes rentré avec la provision, c'est pas parce que la provision est là que tu as mangé n'importe quoi, hein, pour avoir du kilo, pour te détruire. Donc, vous veillez les uns sur les autres. Ça fait que quand l'autre commence à grossir, tu dis, ah, tu as pris du poids et fait en tension. Hein? Parce que tu ne veux pas que l'autre meure. Hein? Quand on grossit trop là, on a quoi? Hypertension, non? Oui, artérienne. Obésité ou bien quoi, tout ça là. Donc, vous veillez les uns sur les autres. Tu vas pas te mettre l'entrée et manger le sucre sur le sucre, tu vas avoir diabète, tout. Non, non, non. Donc, c'est qu'on veille les uns sur les autres. À cause de quoi? Parce que tu aimes l'autre. Parce qu'on s'aime. On forme une seule personne. Amen. Donc, même vous voyez les animaux. Les animaux qui sont rentrés dans l'arche, ils sont sortis de leur milieu naturel. Donc là, ils se retrouvent quelque part d'autre où ils ne sont plus dans la jungle. Donc là, ils commencent à être un peu disciplinés dans l'arche. Alléluia. C'est un film, on tourne. Donc, on essaie de voir un peu comment les animaux étaient en train d'être disciplinés dans l'arche. Alléluia. Il dit, ah, si Dieu nous a épargnés, on était dans la jungle, nous-mêmes, on se fatiguait même pour aller chercher même la viande. Hein, pour aller chercher le gibier, pour aller chercher quelque chose à manger. Maintenant, pour la première fois dans notre histoire, on dirait que les gens viennent nous donner à manger. Hein. Vous voyez, parce qu'ils sont rentrés dans l'âge. Non, si Noé, ils ont pris la provision, les animaux là, il faut aller déposer à chaque fois devant les animaux, c'est ce que je me dis. Alléluia. Parce que sinon, si on doit les laisser comme ça là. Ouh, les plus petits là, ils ne vont pas avoir à manger. Hein. Ils ne vont pas avoir à manger. Donc, ils veillent les uns sur les autres. Et puis, quand voyons les animaux, des fois, même quand l'autre est malade, vous voyez comment l'autre va venir lécher l'autre. Vous voyez, c'est comme s'il a envie même de faire quelque chose, il n'arrive pas. On n'a jamais vu. Il y a des vidéos où si un animal est décédé, hein, un cadavre est sur la route, tu vois un autre chien qui va venir, hein, c'est comme s'il veut le ressusciter, c'est comme s'il souffre, tout ça là. Donc les animaux, même là, il y a des fois, mais ils sont sensibles. Donc Dieu nous rend sensibles. Alléluia. Là où ton cœur a été fermé par rapport à ton conjoint, là où ton cœur est devenu insensé par rapport à ta conjointe, que Dieu délivre ton cœur. Alléluia. Et que ce cœur-là soit rempli d'amour au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Si la parole te fait du bien, dis Alléluia. 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 Amen. Bien-aimé, le temps passe, hein? Tes cheveux noirs, là, ça va pas rester noir. Ça a blanchi. Ta peau, là, va pas rester ferme, hein? Oui. Ah, ta peau, là, va vieillir. Ça, c'est froissé. Donc, pendant qu'il est temps, là, profitons. Il y a des mouvements que tu pourras plus faire. Je vous avais déjà dit, je sais pas, il y avait un monsieur, il pensait qu'il était jeune. Il vieillissait, il avait sa femme. Lui, il partait tricher. Hein? Il partait tricher. Donc, il allait prendre une petite fille. Je vous ai déjà dit ça. Hein? Entends les petites filles de maintenant là, quand elles sont dehors là-bas là, elles sont en train de chercher même quelqu'un où elles vont bien travailler pour avoir de l'argent. C'est son argent, elles cherchent. Donc elle a fait son sport. Elle, dans son domaine là, elle était dans une dimension vraiment de compétition très élevée. Donc le monsieur, lui, il pense qu'il est encore jeune. Vous voyez, il y a des gens, ils ne veulent pas vieillir, ils ne veulent pas s'assagir. Et toute leur vie, ils veulent se promener dans promenade là. Ah, bien aimé. Tu vas te piéger toi-même. Tu vas te piéger toi-même. Donc, il n'est pas dit prendre la petite. Ils sont allés à l'hôtel. Maintenant, ils arrivent à l'hôtel. Il s'est oublié. Il a oublié son âge là. Il a oublié qu'il y a des mouvements qu'il ne peut plus faire. À un moment donné, les os là, ça craque. Hein? Il a oublié tout ça. Donc, il se met au même niveau que la petite. Donc, la petite a commencé à faire des cascades, à le rouler. À un moment donné, le monsieur est décédé dans l'hôtel là. Vous voyez, il est resté sur le lit. Oui, elle a balancé quelque part, le gars ne s'est pas retrouvé. Il est mort. Non, j'ai dit, bien aimé, pendant qu'on est encore vigoureux, travaillons, alléluia. C'est pas quand tu as vieilli, à elle la canne, il y a des choses qu'on ne peut plus faire. À elle la canne, on ne peut plus faire. Là, vous devenez comme des frères et sœurs maintenant. Vous devenez comme des frères et sœurs. Alléluia. Ah. Donc pendant que tu es jeune, là, il faut profiter. Hein? Le temps qui passe là, tous les moments là, il faut profiter au nom puissant de Jésus. Amen. Parce que même regardez dans le livre de Ruth, le chapitre 3, verset 1. Ruth, chapitre 3, verset 1. Naomi, sa belle-mère lui dit, hein, elle parle à Ruth. Ma fille,
Je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Alléluia. La Bible m'a dit quoi? Je vais assurer ton repos. C'est-à-dire qu'elle oriente vers un homme. Alléluia. Elle oriente vers le mariage. Pour faire quoi? Pour assurer le repos de Ruth. Alléluia. Afin qu'elle soit heureuse. Donc, pour dire que Dieu, là, quand nous met dans le mariage, c'est pour nous donner du repos. Alléluia. Il faut confesser ça dans ton esprit. Confesse ça dans ton cœur. Que quand Dieu nous met dans le mariage, ce n'est pas pour nous mettre la corde au cou. Ce n'est pas pour nous mettre en prison. Je vous dis que c'est que la prison là. Ce n'est pas ça. La prison là, tu n'as pas dormi dans ton propre lit. Toi qui confesses que tu t'es marié, je suis marié à un sorcier, je suis marié à un démon, je suis marié. Ça même c'est grossier même. Comment tu peux être marié à un démon? Oui, les confessions comme ça, arrêtons ces genres de confessions. Non, l'être humain que Dieu a créé à sa ressemblance, ce n'est pas un démon. Si tu vois que la personne est difficile, c'est un esprit qui fatigue la personne. Voilà pourquoi Dieu nous dit non pas à lutter contre la chair et le sang, hein, mais contre les dominations, les principautés. Donc ce sont des esprits qui se sont levés. Mais la personne n'est pas démon, un démon. Alléluia. Et par la prière, Dieu arrive à dompter. Alléluia. Ce fou de Gadala, là, Jésus l'a dompté. Alléluia. Donc quel que soit le fou qui est dans ta vie, Dieu peut te donner la capacité de dompter la personne par la prière. Alléluia. Si nous composons avec Dieu, on va remporter des victoires dans nos maisons. Amen. Amen, amen. Dieu qui est le créateur, Dieu qui peut incliner le cœur de l'homme. Hein? Déposons sur l'autel de Dieu nos soucis, nos fardeaux, et Dieu va nous aider au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Donc Naomi a dit à cette jeune fille, c'est pour le repos que je t'envoie. C'est-à-dire que le repos, elle se soucie. Elle veut que Ruth ait du repos. Alléluia. Donc Dieu nous donne du repos. Parce qu'il crée l'homme et puis après c'est le repos, le septième jour. Donc c'est le repos qu'il veut dans le mariage. Donc, comment on appelle ça? Noé qui rentre dans l'arche, c'est pour le repos. Alléluia. L'arche qui est Jésus. Alléluia. Le Seigneur qu'on compose avec Dieu, il nous donne du repos. Alléluia. Donc proclamons le repos dans notre union. Amen. J'ai dit proclamons le repos dans notre union. C'est important. Toi-même sois prophète de ta vie. Prophétise toi-même. Alléluia. L'ennemi ne va pas venir prophétiser pour toi. Mais toi-même, il faut prophétiser. Alléluia. Amen. Donc dans le livre de Proverbes, le chapitre 7, verset 17. Il dit, j'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloès et de cinnamome. Alléluia. Donc pendant qu'on est ensemble, bien-aimé, la couche ici a été parfumée. Alléluia. De myrrhe, d'aloès. Donc ça veut dire que le bien-être doit être dans notre chambre conjugale. Alléluia. Alléluia. Regardons dans notre chambre conjugale. Parce que très souvent, quand Dieu met deux personnes ensemble, les deux ne sont pas ordonnés. Ça là, j'ai remarqué. Faut dire, augmente le volume. Alléluia. Quand Dieu nous met ensemble, les deux ne sont pas ordonnés. Soit c'est monsieur qui est ordonné, madame est désordonnée. Ou bien c'est madame qui est ordonnée, monsieur est désordonné. Donc, ça veut dire que quand tu rentres dans la chambre, hein, quand tu rentres dans la chambre, là, il y a des fois, les habits traînent ici, à gauche, à droite. Hein, et surtout, les femmes, là, ils ont beaucoup d'habits. Donc, il y a des fois, même les placards, ou bien là où on range même les habits, même ça ne supporte plus les habits. Donc, ça traîne ici, à gauche, à droite. Ou bien les chaussettes du monsieur sont trouées quelque part là-bas. Hein? Il y a des hommes, ils ont des chaussettes trouées, hein? Des chaussettes percées. Hein? Donc, il y a des femmes, ils ne lavent même pas. Donc, ça veut dire que l'odeur dans la chambre, hein? Là où on doit dormir, hein? Ton corps va se reposer, ton âme, ton esprit. Hein? Tu dois te reposer là pour que tu aies des visions, des révélations, tout ça là. Donc, ça veut dire que regardez un peu la chambre. Donc, dans ce désordre-là, si Dieu t'a fait la grâce que toi tu as ordonnée, il faut travailler à ça. On s'éduque, hein? On s'encourage.
Oui, on s'encourage. Parce qu'à des fois, on se rencontre. On était désordonné depuis l'enfance. Et puis, on a grandi avec. Donc, maintenant, quand on se marie, il y a une nouvelle éducation qu'on se donne. Donc, on doit accepter. On doit accepter que l'autre nous dise ceci, cela. Ou bien, ensemble, on travaille à ça. Alléluia. Parce qu'imagine, Noé est rentré dans l'arche avec sa famille. Les animaux aussi sont là. Les animaux, ils vont les regarder, ils vont dire, « Et les êtres humains, là, ils sont déshonorés là-bas. » Les animaux, pendant qu'ils se couchent là, eux, ils vont faire leurs excréments, ils sont couchés dedans, eux, sans problème. Donc, imaginez les odeurs. Hein? Heureusement qu'ils ont fait plusieurs compartiments. Donc, imaginez les odeurs dans leur loge là. Hein? Maintenant, ils vont venir jeter un coup d'œil pour voir Noé, sa femme, ses enfants là. On arrive même, tout est mélangé, renversé. L'odeur, mais on dit, on dirait que chez nous, ici, là même, ça sent mieux ici. Ça sent bon par rapport aux humains là. Et là, comme chez eux, ça sent. Donc, travaillons à cela. Alléluia. Travaillons à cela. Amen. Donc, elle dit, je me suis parfumé. Hein? Ma couche a été parfumée de myrrhe. Donc, on peut parfumer notre chambre. Hein? On nettoie. Hein, on arrange le lit, le drap, les serviettes, on les change, tout ça, on change, on travaille à ça. On n'a pas dormi jusqu'à ça, tout, ça sent la sueur, ça sent, comment on appelle ça, le crachat, tout ça. Oui, par exemple, quelqu'un est en train de dormir là, y a beaucoup de choses qui se passent. Voilà pourquoi on doit être humble, pas être tout malin, on fait dehors ici là. dans le lit, Dieu sait comment les gens dorment là-bas. Comment les gens dorment? Il y a des fois, même si tu prends photo là-même, tu lui montres après, il y a ta photo, il y a comment tu dormais. Que Dieu nous donne d'être humble au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Donc, il y avait un couple, vraiment, la femme, elle n'aimait pas se laver. Oui. Oui, dans le monde, là, il y a toujours, quand les deux se rencontrent là, il y a toujours une personne qui a toujours quelque chose de bizarre. Soit c'est la femme, soit c'est l'homme. Mais cette fois-ci, c'était la femme. Elle n'aimait pas se laver. Oui. Hein, en tant que nous, en Afrique, notre jargon, on a un jargon qui dit « tu es cabri ». Ça veut dire quand tu n'aimes pas te laver et puis aller te coucher là, tu as tué le cabri. Entends, le cabri là, il a une odeur forte. Le bouc, il sent même l'odeur du bouc là. S'il passe là, tu ne sais pas, que tu sais pas qu'il vient de passer. Donc, la femme, elle n'aime pas se laver, elle s'en se coucher. Son époux lui dit, va te laver, chérie, va te laver. Elle veut pas. Il a dit, va te laver. Non. Le monsieur est tellement fâché qu'il s'en va prendre de l'eau, il vient verser sur elle. il y a un amen qui est bien sorti ici. Maman Déborah répond bien amen. Parce que normalement, une femme ne doit pas faire ça. Ah! Comment? Le monsieur allait soulever un seau d'eau. Il dit même si le mantelas est mouillé, c'est pas grave. Parce que assez, c'est assez. On va passer toute la vie en train de choses. Il est venu verser l'eau là sur elle. Et puis elle s'est plaint. Elle s'est plaint. Hey, non, pourquoi tu as versé l'eau sur moi? Pourquoi tu as versé l'eau sur moi? Hey? Donc, parlable comme ça, là, tu n'as pas honte. Vous venez faire jugement. Donc, dans le jugement, là, je lui dis, mais attends, tu te plains qu'il a mis l'eau sur toi, tu as fait quoi? Il dit, non, je ne me suis pas lavé. Hein? Et puis, il dit d'aller me laver. Il dit, je ne vais pas. Je lui dis, mais toi, une femme mariée, hein? Quand tu dis que tu ne vas pas te laver, ça dit quoi? Hein? Vraiment, femme, il ne faut pas mener ton mari à t'insulter. Oui, nous-mêmes, là, on n'a qu'à nous respecter, on n'a qu'à se respecter. Non, même pas un homme à t'insulter. Pas très souvent, ce sont les hommes, là. Hein? Oh, dis là. Ils vont dire, la femme, elle veut nous attaquer. Hein? Très souvent, ce sont les hommes, là, ils n'aiment pas se laver. Ce n'est pas tous les hommes. Hein? Mais il y a des hommes, là, ils n'aiment pas se laver. Ils n'aiment pas se laver. Donc, le monsieur, hier, ils se sont séparés. Je vous dis la vérité. Oui? Peut-être que c'est un esprit de je ne sais quoi, de malédiction qui est sur elle, ou bien son esprit est sale, ou bien je ne sais pas. Quel nom je peux qualifier? Hein? Qu'est-ce qu'on peut dire sur la femme là? Parce que pour un sujet,
Hein? On te dit, voilà le problème. Mais tu ne veux pas changer. Hein? Mais tu ne peux pas prendre la sueur de toute la journée là, venir te coucher, sachant que tu es marié. Parce que quand tu n'es pas marié là, il y a des vilains comportements, hein, que les gens ont eu pendant qu'ils étaient célibataires. Quand tu es célibataire là, tu peux dormir, si tu te laves pas, il n'y a pas de problème. Hein? Si tu veux, il faut aller te coucher avec l'odeur d'oignon sur toi, si tu veux, avec l'odeur de boucle là. Hein? Il faut aller te coucher, il n'y a pas de problème. Mais quand tu es marié, du moment qu'il y a une personne qui est à côté de toi, il faut respecter la personne. Alléluia. Tu dois respecter, tu dois avoir de la considération pour la personne. Et puis même quand la personne te fait savoir, on doit être humble. Il y a des gens qui n'aiment pas le reproche. Attends. Toi, tu es comme moi et puis on ne peut pas te parler. Hein? Esprit qui te fatigue et puis on ne peut pas te parler là. Est brisé au nom de Jésus. Ta suffisance, il faut descendre de tes grands chevaux, descends. Le mariage là, on est obligé de faire des concessions. Alléluia. Alléluia. Donc, si tu veux rester là où tu es suspendu là-bas, tu t'es mis sur une montagne là-bas, il faut descendre. Sinon, tu ne peux pas te marier. On ne peut pas te parler. On ne peut rien te dire. Que Dieu nous aide. Alléluia. Tu ne veux pas te laver pourquoi? Hein? Quand on est marié, donc il faut retenir ça. Toi, tu n'es pas encore marié là. Si tu te maries là, il faut te laver. Quand l'autre dit va te laver, va te laver. Hein? Si il dit va brosser tes dents là, il faut aller te brosser. Il y a des gens qui ne se brossent pas. Entends, tu as une mauvaise haleine. Alléluia. Hein, les dents, là, hein, ça fait partie de la couronne de la beauté. Alléluia. Les dents, une fois que les dents de lait sont parties, les dents qui arrivent là, tu vas garder ça jusqu'à la fin de tes jours. Maintenant, tu ne veux pas entretenir. Tu ne laves pas ta langue. Hein, tu ne te brosses pas. Maintenant, tu es avec une personne dans le lit. Vous allez parler. Quand vous partez vous coucher là, vous allez causer. Alléluia. Maintenant, vous êtes en train de parler. Tu vois que le monsieur met, ou bien la femme, elle met le drap sur son nez. Vous parlez, puis la main est comme ça. C'est une manière de te parler. Que ta bouche là, ça sent. Hein? Parce que si on te dit une mauvaise haleine, tu ne comprends pas bien. Donc, parfois, on oublie d'utiliser des mots qui vont te choquer un peu, et puis tu vas te ressaisir. Alléluia. La bouche là. Quand on sent se coucher, vous êtes à deux là. Il faut se brosser les dents. Alléluia. Parce que quand vous venez dormir, vous n'allez pas dormir automatiquement. Vous allez causer tout ça là. Vous parlez. Donc pendant que vous parlez là, l'autre est dans les narines de la personne. Et puis toi, c'est toi-même qui mets ta bouche là dans les narines de la personne. Toi-même, tu sais que ta bouche là même n'est pas bien. C'est toi qui as venu mettre ta bouche là dans les narines de la personne. La personne ne peut pas respirer. Hein? Donc, revoyons ça. Au nom de Jésus. Si c'est la vérité, il faut dire gloire à Dieu. Il faut dire amen là-bas. Alléluia. Que Dieu nous aide. Alléluia. Donc, on doit parfumer, comment on appelle ça, hein? Le drap, les oreillers. Hein? Il y a des petits parfums qui comme l'eau de Cologne, hein, qui sont, où l'odeur n'est pas forte. Hein? Un peu dans la maison, on arrange la maison, hein, pour qu'il y ait, comment on appelle ça, une bonne odeur. Une bonne odeur. Oui, les huiles essentielles, une bonne odeur, tout ça. Ça, là, ça facilite l'harmonie. Hein? Ça facilite beaucoup de choses. Mais l'odeur n'est pas bonne. Hein? Quand l'odeur n'est pas bonne, là, tu repousses. Donc, il y a des gens là, hein? Tu repousses à cause de ton odeur. Donc, revoyez les odeurs. Lavons-nous. Brossons-nous les dents. On dit aux enfants, va te brosser avant de dormir. Va te brosser. Mais nous, les grands, là, on n'aime pas se discipliner. Oui, dans le mariage, là, nous sommes comme des enfants. Oui, tu es PDG chez toi là-bas. Tu es directeur de temps. Tu es quoi, banquier. Tu es quoi, tu es chef. Mais quand on rentre dans le foyer, là, nous sommes nous deux là comme des enfants. Alléluia. Oui, tu penses à l'autre. Donc, ce qui n'arrange pas l'autre, là, quand on te dit là, tu t'humilies dans la simplicité et puis, hein, pour l'harmonie de la maison. Oui. Vous allez dormir, vous allez vous réveiller à 5h du matin. 5h du matin, là, tu es venu chercher quelque chose. Hein, tu es là. Si Dieu permet qu'il y a une douche dans la chambre principale, va te brosser les dents. Tu vas venir bavarder 5h du matin, tu t'es levé là. Tu vas venir bavarder dans la narine des gens avec l'odeur. Ah, que Dieu nous aide. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est pour nous-mêmes notre bien. C'est pour nous-mêmes notre propre santé. Alléluia. Que Dieu nous aide.
Donc, un dernier verset. Ruth, le chapitre 3, verset 3. Donc, nous sommes saisis l'occasion qui passe. Alléluia. Ce que nous sommes en train de dire là, que ça ne soit pas, tu entends et puis tu ne mets pas en application. Hein? La Bible dit, ne vous bornez pas à écouter seulement. Oui, ne sois pas là, tu écoutes, et puis tu n'appliques pas. Il dit, vous serez heureux si vous appliquez, si tu mets en application là, c'est là que la joie de Dieu te localise. Alléluia. C'est là que tu seras heureux. Alléluia. Mais si tu écoutes, et puis tu n'appliques pas, ça va te rendre malade. Toi-même, tu seras malade. Il y a des gens, ils ont hémorroïdes à cause de tout ça là. Tellement qu'ils ont entendu, et puis ils n'appliquent pas. Donc tout est concentré quelque part. Hein? Tu as la constipation. Donc Dieu nous aide. Donc, en Ruth, le chapitre 3, verset 3, il dit, lave-toi et oins-toi, puis remets tes vêtements et descends dans Allais. C'est-à-dire que, ça là, on peut faire même, comment on appelle ça? Ça peut déjà faire un thème même. Lave-toi. Simplement même quand on dit lave-toi. Il faut écrire lave-toi. Au moins quand tu vas écrire là, quelqu'un va voir là-bas, il va voir qu'il doit se laver tout le temps. Hein? Si tu vois actuellement, il commence à faire chaud, hein? Même en Europe ici. Donc imagine en Afrique, c'est grave là-bas. Hein? Donc il fait chaud comme ça là. Lavons-nous. Donc il faut écrire lave-toi. Alléluia. Il dit lave-toi. Ensuite, il dit quoi? Oins-toi. Écrivons. Que Dieu nous aide. Lave-toi. Oins-toi. Et remets tes habits. Alléluia. Donc, ça, ce n'est pas habit Mugouba. Hein? Hein? Il y a des habits pour dormir. Alléluia. Alléluia. Donc, tes habits, là, ça doit être propre, ça doit être chic, ça doit sentir bon, tout ça là. Donc, tu dois te laver, tu dois te oindre. Hein? Donc, ça veut dire que tu te parfumes un peu et tu mets des habits chic. Alléluia. Donc, il ne faut pas penser qu'elle vient te dire quelque chose d'autre encore. Fin de l'épisode 13. On acclame le Seigneur. Il y a des fois, c'est comme ça, le film finit. Ou tu penses que tu vas voir encore quelque chose et puis le film, on met fin. Donc, on met fin de l'épisode 13. Fin de l'épisode 13. Lave-toi, oins-toi, revêt tes vêtements. Et puis on dit fin de l'épisode 13. Mais la femme là, qu'est-ce qu'elle devait nous dire encore? Et puis elle nous a suspendu comme ça. Le film est fini. Donc là, il faudra attendre la saison 2. Vous voyez? Il y a des fois le film finit comme ça. Et puis on dit, le film de l'âge est fini. On dit, mais attends. Donc il faut attendre la saison 2. Donc si vous priez pour moi, que Dieu m'inspire, hein, et qu'on est encore ensemble mercredi prochain, vous aurez la suite du film. Mais si vous ne priez pas bien pour moi, est-ce que vous priez pour moi-même? Ah! Est-ce que vous priez pour moi? Tu as pris le temps comme ça, tu t'es mis devant Dieu pour prier pour moi. Hein? Donc si tu ne pries pas pour moi, quand il n'y a plus d'inspiration, on va chanter le chant sur l'âge maintenant. Et puis on aura fini. Donc si tu ne pries pas pour moi, hein, et qu'il n'y a pas d'inspiration, on dit fin de, hein, quoi là même? La session, ou bien? Fin de la saison. Hein? Donc ça sera une deuxième saison maintenant qu'on va l'écrire. Ok, donc nous avons fini pour ce soir. On va chanter le chant sur l'arche. Sur l'arche de Noé, le film sur l'arche de Noé, le chant avec nos frères Azaël. Sois béni, frère, un frère rempli de talent. Vraiment, il est rempli. Oh là 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 là. C'est une grande bénédiction. Il y a son épouse qui sourit vraiment avec une belle brèche. Alléluia.
On risque de virer notre caméraman parce que le caméraman ne suit pas le mouvement. On vient bien cadrer. Donc là, on risque de virer notre caméraman ici. Hier, on voulait virer. On a plaidé. Quand l'Éternel a parlé, écoute-le, n'endurcis pas ton cœur, écoute-le. Si tu entends sa voix, fais le premier pas. La grâce du Seigneur est sur toi, fais le premier pas. Entre dans l'arche pour être sauvé. Lève-toi et marche vers ta destinée. Et marche pour être sauvé. Lève-toi et marche vers ta destinée. Quand viendra l'orage, sécurité. Quand viendra la tempête, tu seras en sécurité. Et tu seras mis au large, tu seras sauvé. Quand d'autres périront, tu seras sauvé. Entre dans l'âge. C'est par la foi que Noé construit l'arche, et l'obéissance qu'il s'est mise en marche, mettant de côté ses raisonnements, et ignorant les découragements. Tous ceux qui n'ont pas pris place dans ce refuge ont tous péri dans le déluge. Aujourd'hui, le Seigneur t'offre une seconde chance. Alors viens à lui avec obéissance dans l'âge pour être sauvé. Lève-toi et marche vers ta destinée. Entre dans l'âge pour être sauvé. Lève-toi et marche vers ta destinée. Mais quand viendra l'orage, tu seras en sécurité. Quand viendra la tempête, tu seras en sécurité. Et tu seras mis au large, et tu seras sauvé. Et quand d'autres périront, tu seras sauvé. Quand viendra l'orage, tu seras en sécurité. Quand viendra la tempête, tu seras en sécurité. Et tu seras mis au large, tu seras sauvé. Quand d'autres périront, tu seras sauvé. Oui, entre dans l'âge. Donc le bishop va venir prier pour mettre fin. Alléluia. Le bishop va venir prier. Dieu a déposé les paroles en son cœur. Gloire à Dieu. Vous avez été béni, n'est-ce pas? 13 épisodes. À vrai dire, au début, je me disais qu'on va s'arrêter à 3-4 maximum. Et voilà où nous sommes arrivés. Alors ce soir, nous allons prier. Nous allons prier pour tous ceux qui ont participé à ces sessions, soir après soir. Nous allons prier pour que la grâce de Dieu se manifeste dans votre vie.
il n'y a pas un autre endroit sûr pour être en sécurité que dans l'arche. Et l'arche pour nous, c'est Jésus. L'arche pour nous, c'est l'Église. L'arche pour nous, c'est ta famille. Et j'ai beaucoup aimé. Elle dit, Dieu t'a uni à ton conjoint pour vivre en paix, en sécurité. Dieu n'a jamais permis à un homme, à une femme de se mettre ensemble, de se marier pour passer toute leur vie dans la guerre. Alors c'est pourquoi nous allons détruire tous les esprits qui amènent la guerre dans ton foyer, tous les démons qui amènent le désordre dans ta maison. Nous allons les chasser au nom de Jésus parce qu'il nous a donné le pouvoir et l'autorité pour marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Alors c'est pourquoi j'aimerais que tu te lèves là où tu es. Et nous allons prier pour que Dieu apporte la paix dans ta maison, que tu apportes la paix dans ton foyer, que Dieu apporte la paix dans ta famille, afin que le reste du jour qui vous reste ensemble sur cette terre, eh bien vous viviez mieux que tous les temps que vous avez passé depuis votre mariage. Alléluia. Seigneur notre Dieu, ce soir je te bénis parce que pendant plusieurs semaines, nous avons pu parcourir comment la vie se passait dans l'arche. Oui, dans cet endroit sûr, au temps de Noé, c'était le seul lieu sûr où on pouvait être en vie et continuer de vivre sur cette terre. Seigneur, tu nous as envoyé l'arche, le Seigneur de gloire, ton Fils bien-aimé, qui a payé le prix pour que nous entrions dans cette sécurité préparée pour nous. C'est pourquoi je te bénis, parce que, en effet, ce soir, nous voyons combien il y a des couples qui sont malmenés par l'ennemi, combien de couples sont malmenés par les esprits de divorce et de séparation, combien de couples sont malmenés par les discordes et toutes sortes de querelles dans les ménages. Ce soir, au nom de Jésus, nous prenons autorité sur tous ces esprits et nous chassons tout ce qui vient diviser les familles de El Shaddai, les familles de nos internautes, tous ceux qui nous ont suivis, quel que soit le continent sur lequel ils se trouvent, quel que soit le pays dans lequel ils se trouvent, nous chassons tous les esprits qui divisent, nous chassons tous les esprits qui détruisent, nous chassons tous les esprits qui apportent le divorce et nous proclamons la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix dans les foyers, la paix dans les ménages, la paix dans les familles, au nom de Jésus, la paix entre le mari et sa femme, la paix entre les parents et leurs enfants, la paix entre les enfants, la paix dans le foyer au nom de Jésus. Merci parce que tu apportes la paix. Et la paix est une personne, c'est Jésus. Christ est notre paix. Et ce soir, je prie que tu rencontres le cœur de chacun, que tu rencontres les besoins de chacun, que tu viennes au secours de chaque famille qui nous a suivis depuis le premier jour où ce film a commencé. Seigneur, merci. Hier, nous avons prié pour ces deux personnes, un homme et une femme qui se trouvaient dans une situation inconfortable. Je prie pour que la paix règne dans leur ménage, que la paix se manifeste dans leur foyer, qu'ils voient la gloire de Dieu dans leur vie. Au nom de Jésus, le divorce qui avait été planifié est annulé au nom de Jésus. Les querelles et les séparations qui étaient prévues sont annulées au nom de Jésus. Tu vois qu'il y a même des serviteurs, il y a des pasteurs, il y a des conseillers et conjugaux qui conseillent aux autres de se séparer, de divorcer. Eh bien, nous chassons ces démons qui viennent tout droit de l'enfer et qui se servent des bouches autorisées pour détruire des mariages. Nous arrêtons ces programmes au nom de Jésus et nous déclarons la paix dans nos ménages, la paix dans nos foyers. Merci pour tout ce que tu as prévu pour nous. À toi seul, toute la gloire. Nous nous attendons à toi, nous dépendons de toi et nous voulons voir ton onction reposer sur ta servante, l'inspiration au quotidien pour qu'elle vienne encore se tenir devant ton peuple avec un nouveau programme de Jésus. Sois béni pour ta présence qui nous fait du bien. Au nom de Jésus, amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Excusez-moi. Alors voilà, donc nous sommes heureux que ces 13 sessions se terminent et nous nous attendons vraiment à la suite parce que je sais que Dieu va l'inspirer. Hein? Je sais que Dieu va l'inspirer parce que vous avez prié pour elle. Dieu va l'inspirer
et la saison 2 sera un grand cru. Alléluia. Alors c'est pourquoi nous bénissons pasteur la prophétesse Lydie Niamia. Alléluia. Ce n'est pas quelqu'un qui le dit, c'est vous-même qui l'avez constaté. Vous savez, les dons et les talents, eh bien, ça ne se discute pas. Il n'y a personne qui se lève. D'ailleurs, ceux qui se lèvent pour dire, oui, moi, j'ai le don de ceci, j'ai le don de cela. Laisse les autres apprécier et te dire exactement ce que tu es. Alléluia. Pendant ces quelques, je dirais, mois qu'elle a passé avec nous, nous avons vu en elle, pas seulement l'âme de l'évangéliste, mais l'âme de la prophétesse. Et ce soir, nous bénissons le Seigneur qui va lui donner encore des paroles appropriées pour nous. Amen. Alléluia. Alors voilà, vous savez que la semaine prochaine, c'est la Pentecôte. La semaine prochaine, c'est la Pentecôte. Et pour ceux qui connaissent El Shaddai, le week-end de Pentecôte, nous avons la convention annuelle de Pentecôte. Et nous n'allons pas laisser l'occasion se passer comme ça. Nous avions le docteur Moses Mukwiza comme orateur de cette convention. Nous sommes en contact avec lui depuis quelques jours et il est d'accord pour tenir des sessions en direct depuis les États-Unis. Alléluia. Donc vendredi, samedi, dimanche soir, aux heures habituelles de réunion, nous allons vous connecter sur notre site et ce sera la convention annuelle de Pentecôte de l'église El Shaddai. Alléluia. Est-ce que le confinement va nous empêcher de tenir notre convention annuelle? Non. Est-ce que COVID-19 va nous empêcher de nous réunir? Non. Et d'ailleurs, en tout cas, moi je bénis Dieu pour le confinement. Et je bénis Dieu pour COVID-19 parce qu'il est venu nous apprendre de nouvelles tactiques. Alléluia. Pour proclamer la bonne nouvelle. Chaque dimanche, quand nous avons rassemblé beaucoup de gens dans l'église, c'était peut-être 200, 250, maximum 300. Mais aujourd'hui là, chaque soir, on est à 1800, 2000. Alors c'est pourquoi je rends grâce à Dieu. Parce que la parole de Dieu est diffusée de façon exponentielle. Alors soyez bénis. Et demain, c'est samedi. Demain, profitez du beau temps. Allez vous balader avec vos enfants en respectant les règles de sécurité et d'hygiène, évidemment. Hein, la distanciation sociale. Mais voilà, il y a du beau temps. Profitez. J'ai beaucoup aimé. Profitez. Profitons de la vie ensemble. La vie est tellement courte que nous n'avons pas le temps de nous faire des querelles inutiles. Alléluia. Alors profitons avec nos familles demain. Dieu se manifeste de façon incroyable. Amen. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Siècle. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, notre Père, et la communion de l'Esprit-Saint vous accompagnent tout le long de cette soirée. Nous prions au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors soyez bénis et rendez-vous à dimanche 10h. N'oubliez pas de préparer votre pain et votre breuvage. Nous allons célébrer la Sainte-Cène encore ensemble ce dimanche. Bonne soirée à tous et à dimanche 10h.